Les ateliers d'écriture, c'est qu'on entre en profondeur pendant 4 à 6 semaines dans un genre littéraire. Par exemple, on écrit du narratif ou du documentaire ou des textes d'opinion ou de la poésie. Pendant 4 à 6 semaines, à chaque jour, les enfants y ont une mini-leçon explicite sur une stratégie d'une partie du processus d'écriture. À chaque jour, les élèves y ont du temps pour écrire. À chaque jour, ils ont du temps pour échanger avec leur partenaire d'écriture. À chaque jour, l'enseignante donne de la rétroaction en cours d'apprentissage à certains élèves du groupe. À chaque jour, il y a un retour ou après la leçon, après la période, où on revient sur ce qui a été enseigné. Donc, ça permet... Et à chaque jour, les élèves écrivent sur des sujets qu'ils ont choisis et qui les intéressent dans le genre donné. Donc, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans notre enseignement de l'écriture de cette façon-là. Les fondements de l'atelier d'écriture sont vraiment en lien avec les fondements de l'enseignement inclusif. Par exemple, avec les mini-leçons explicites, où on va cibler vraiment un enseignement précis à chaque jour. En plus, avec le support visuel qui permet aux élèves, on met les mêmes images, les mêmes mots que quand on parle durant les leçons, que quand on fait les entretiens. Donc, les élèves peuvent vraiment s'y référer et ça a du sens pour eux. Ils deviennent plus autonomes avec ça aussi. Les élèves ont du temps pour écrire chaque jour. Donc, plus on pratique quelque chose, meilleur on devient, que ce soit un sport, que ce soit un instrument de musique. Donc, nos élèves, tous les élèves vont bénéficier du fait d'écrire chaque jour et de recevoir aussi une rétroaction en cours d'apprentissage. Donc, à chaque jour, l'enseignante va donner des rétroactions précises, positives, liées aux besoins de chaque élève. Les élèves, je les sens plus motivés, évidemment, plus engagés, mais aussi, ils se sentent plus compétents en écriture. Puis moi, ça m'a fait la même chose. Les ateliers d'écriture, ça m'a permis de me sentir plus compétente pour enseigner l'écriture parce que j'avais vraiment un modèle précis sur lequel je pouvais me coller pour voir tout ce que je pouvais enseigner, toutes les possibilités qu'il y a en écriture. Puis quand on se sent plus compétent, on est plus motivé, on est plus engagé, puis on a plus de plaisir aussi. C'est ça qu'on vit au quotidien dans la classe. On a du plaisir à écrire ensemble puis à apprendre ensemble.